Ah bonjour, comment vous allez? Très bien. Quelle est l'activité? En fait, j'ai passé à mon projet concernant le concept ou la concurrence et j'ai vraiment trouvé ça intéressant. D'autant plus que je vois qu'on a mis des carnes et surtout 15 le jeu de qui il y a tellement de talents qui fait preuve de bravo. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et ce que vous avez choisi ici, ce brassage que vous avez fait ici, permettra de pouvoir bien s'organiser fin jeunesse contre la violence. Et je vous apprécie beaucoup. Après la pousse le beau temps. Et sur ce, vous êtes préparés pour la pousse le beau temps. Après 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 la pousse le beau temps. Ok, vous passez une très bonne journée. Vous aussi. Allô. 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 Notre chaumier est rempli de blême. Allô. Allô. La ligne est saturée. Notre chaumier est vraiment malade. Monsieur Kings. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va. Et les activités? Ça va. En fait, c'est pour le concert de la non-violence que nous allons organiser dans très peu de temps. Et nous avons besoin de vous pour venir prester sur scène, en fait. Ouais. Donc, nous avons pu vous trouver un cachet de 100 000 francs. C'est ça. Le voici. Non, mais tu es sérieux? Pardon? Tu es sérieux pour un concert organisé par le gouvernement, c'est pas possible. Ouais, mais en fait, c'est ce que nous avons pu vous trouver, en fait. Mais je ne vous ai pas demandé en concert. Vous avez besoin de nous pour parler en public. Ah oui. Donc, vous le prenez comme ça. Vous faites violence sur moi, monsieur. Vous avez besoin de moi pour un concert, pour sensibiliser les gens. 100 000, ça ne peut pas. Merci. C'est ce que nous avons pu trouver. Vous faites avec. Je suis désolé. Je ne suis pas pardon. Vraiment? Ouais, je suis désolé. Vraiment? Ouais. Sérieusement, vous êtes en train de refuser mon offre, monsieur Kings. Je ne suis pas partant. Parce que mon concert parrainé par le gouvernement, je ne peux pas. Je peux okay. En plus. On se reverra alors. Donc il a osé refuser mon offre, quoi. Waouh. Mais non, là, il se prend pour qui celui-là? Allô, bâtiment avec moi. Ça va, non? Je suis sur le Kings là. Oui, oui. L'artiste là, mec est inhalé. Français, mais on est au donc là. On l'avait mis sur le projet pour notre concert là. Tu te souviens qu'on avait refait un prix pour lui, non? C'est comme si Amélie Tonin avait mis de l'élevé prix à quoi? On est quoi, allô? Donc il a refusé les 100 000. Il a osé refuser les 100 000. Oui, et bien là. Et d'autres, il va bureau, il va les tonin, yabé. Genre, je fais violence sur lui, quoi. Tu vois? Genre, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas tes amis des hauts lieux là. Voilà, blénon, quoi. C'est que Miga Blinking, c'est les joueurs, mais quoi. Tu vois, à Dola, le Kikamakon, qui est là, Bintotion. Est-ce que cela, on l'a même dit, quoi? Au point, allô? A vous, je n'ai rien à prouver. Ça fait des années, je suis validé. J'ai fait des tours rap et variété. Mes chers amis, y'a tes complaints. Je m'en de mais je le contrôle. Tout en succès, mais ils n'ont pas flow. Les faux sont mis devant Togo. Cher ennemi, y'a tes complaints. Ils passent au temps, mais ils sont trop drôles. Pour ridicule que vous soyez mes négros. Malgré tout, c'est monopolisé. Au bled de con de vous, ne dépasse pas Nico. Mende, mende, Saint-Esprit, mende. Au frère qui dit même, n'écoute pas ce son, c'est bordel. Monsieur Blackmanou, j'ai fait appel à vous concernant le concert pour la non-violence que nous allons organiser dans quelques mois. J'ai étudié votre dossier et j'ai pu vous trouver un déplacement de 50 000 francs. En fait. Voilà. Monsieur Blackmanou. C'est quoi pris, monsieur? En fait, vous êtes un débutant, en fait. Donc, j'ai pu vous trouver ce déplacement de 50 000 francs. En plus, c'est pour vous donner de la visibilité. Ouais, donc c'est à faire avec vous. C'est bien.
Esouméné. Fait que mes amis soient Esouméné. On est fatigué, ça doit changer. Kazaro tona Kazaro, Yesu tona Yesu. Tutu bandu bena meko bolinko na mubedi. Ona nyure bena nemi badu avu ye jana no na no baby. Zeve kwan, tu na bina mi le pre, ça peut dare mi le frais. Donc arrêtez de faire semblant comme si nous autres n'existaient pas. Yeah, yeah, yeah. Pour notre showbiz, pour moi, le résultat ne donne rien. Donc tu me dis qu'il n'a qu'un virus depuis des ans. Mais pourquoi il n'évolue pas? Appelle-moi les managers. Demande aux artistes de venir avec le producteur. Tu vois, ils n'en ont pas. Demande aux organisateurs d'être là avec le blogueur. DJ, animateur, promoteur, réalisateur. La population entière. Et enfin les beatmakers. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir répondu à mon appel. Je vais vous dire, votre showbiz a le portrait d'un vrai fou frère. Sans courage, ceux qui n'iront pas loin dans leur carrière et ça les médiatise. Plus, il fait de l'ombre à ceux qui sont des talentueux, passionnés dans la matière. Je vais vous dire, changez de plan intérieur. Stoppez les pratiques déloyales pour faire évoluer les choses. Soyez objectif et non subjectif. Sur ce, rentrez chez vous, cherchez une stratégie. Trouvez la bonne formule, car votre showbiz perd le contrôle. Merci. Seigneur on the beat.